Hello, bienvenue dans la partie 2 de ce vlog. On va continuer ensemble la route de cette création, Michel Lustucru. On a eu plutôt des bons retours sur la première partie. On va prendre en considération les critiques qui ont été faites. N'hésitez pas, encore une fois, à nous faire des retours. C'est vraiment important pour nous. Là, on part sur 2 semaines de création. Donc, une première semaine où on va faire essentiellement de l'écriture et du chant. Vous allez voir un peu l'avancée des musiques créées dans le premier vlog, comment on va les améliorer, les changer, parce que c'est sûr qu'elles vont bouger. Et la deuxième semaine, on va faire ce qu'on appelle de l'écriture de plateau. C'est-à-dire qu'on a le canevas, l'histoire, quoi, de notre spectacle. Et là, on va essayer, en faisant des exercices au plateau, de trouver qu'est-ce qu'on va mettre dans ce canevas. Voilà. On est trois pour cette résidence, Amélie, Margot et moi. C'est possible qu'il y ait des copains qui passent, on verra bien. Pour ce qui est du vlog, vraiment, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Peut-être que je vais le fractionner en plusieurs morceaux parce que je ne suis pas sûre que plus de 5-10 minutes de vidéo ce soit intéressant. J'ai peur que ce soit un peu trop lourd. La dernière fois, on n'avait que 3 jours de résidence et il y avait 5 minutes de vidéo. Là, on part sur 2 semaines, donc il y a moyen que je fasse plusieurs parties. Voilà, on se retrouve pour la suite. Bien pris place à bord du TGV numéro 5521, destination de Montpellier-Saint-Roch. Oui, c'est pour ça que même en termes de logique, je me dis peut-être qu'il vaut mieux que ce soit nous qui essayons de trouver un rythme. Parce que c'est nous qui allons chanter en fait. Et que nous, on va aller vers des trucs plus simples. Elle prit une grande décision, celle d'emménager à Lyon. Elle voulait partir loin des siens, changer, vous voyez le dessin, partir avec ses deux gros sacs. Celle-là ne fonctionne pas non plus. Je pense que chaque couplet, faut le prendre d'une façon où finalement les 4 premières phrases ont un rythme à elles et les 2 dernières ouais. ont leur rythme à elles. Et je pense sincèrement que c'est ça le plus dur, c'est les chutes. Ouais, les chutes, c'est chaud, hein. Elles sont dures parce qu'elles sont différentes des autres et je pense pas qu'il faut les prendre sur le même rythme et la même couleur. C'est vraiment juste, des fois, il y a toi, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, c'est ta maman, ok, toi, j'en te donne l'autre. Mais pas de lumière, enfin, pas trop de l'énergie. Mais c'est vraiment. Ouais, chez vous. On a dit qu'il marchait pas. Ou alors, suivre un inconnu, ça peut être sympa. Mais si c'est un mauvais garçon, tu peux finir en tronçon. Je trouve qu'il marche moins trop bien, court. Du coup, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, il nous faut un truc un peu con, c'est dans les chansons à boire irlandaises, comme ça, c'est souvent genre Molly Malone, Molly Malone, Molly Malone, tu vois, genre, il répète des bails. Parce que, tu sais, ça fait genre, tu sais, c'est des trucs à chanter dans un bar quand t'es ivre. Ouais. Tu sais, pas trop de paroles. Ok. Après, là, on est en mode suivre un inconnu, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut en être fait. Complètement autre chose. Ouais, ouais, carrément. En fait, un truc du genre, c'est une belle histoire. C'est un bon roman. Roman, c'est une belle histoire. Ou ouais, écouter notre chanson. Chanson et oublier qu'on sait pas ce qu'on fait, tu vois. Bah, ça c'est pas mal, je pense. Genre, ça peut être rigolo, tu vois. Genre, ouais. Tu sais, ça peut être genre okay. Chante avec nous, avec nous, pour oublier qu'il y a personne qui est là, mais tu vas pour se marier. Chante avec nous et oublie qu'on est deux et qu'on sait pas ce qu'on fait, mais qu'on est quand même heureux. Ouais. Pour oublier qu'il n'y a personne ici qui se marie. Non. Pour oublier qu'il n'y a pas les mariés. Chante avec nous. Et nanana nanana. Nanana 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 nanana. Chante avec nous. On sait pas ce qu'on fait. On sait
sait pas ce qu'on dit, mais en tout cas, ça... chante avec nous, on sait pas ce qu'on fait. Mais si tu chantes assez fort, ce sera pas mal, ok. Tu pourras l'oublier. Tu pourras l'oublier, ouais. On met un mais c'est un mais qui est là, qui est là, ouais. En même temps. Pour les gens du fond, il y avait des sous-entendus. Mais bien évidemment, c'était une histoire de... chante avec nous, chante avec nous, pour oublier qu'il n'y a pas les mariés. Chante avec nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais si tu chantes avec moi, tu pourras l'oublier. C'est parfait. Est-ce qu'on garde cette fin? Oui. Pour les gens du fond, il y a des sous-entendus, bien évidemment, c'est une histoire. Est-ce que ça reste une histoire? Moi, je pense que là, tu vois, genre, oui, je pense que ça reste une histoire de cul. Mais tu vois, si tu chantes le dernier, on peut mettre, mais si tu chantes assez fort, tu pourras l'oublier. Et comme ça, le dernier, tu vois, on est là, genre, avec nous, tu vois, là. Et ça, ouais, et comme ça, ça nous laisse la montée de après, tu m'attrapes la robe, tu vois. Et c'est marrant! Et moi, je m'amuse bien. Ouais, je m'amuse bien. Et je vois vraiment avec des pitchs comme ça, en mode, genre, ouais. Le chant, avec nous. En plus, on peut faire taper dans le même. Et c'est super, et je trouve ça parfait, le refrain est génial. Ouais, il est cool, non, franchement, elle est bien comme ça. Enfin! Alors, est-ce qu'on peut rajouter un petit coup d'œil à l'affiche pour voir le cadre? Ouais. J'ai fait plusieurs propales. Oh putain, comment ça va redescendre, genre, voilà, c'est bien marré. Allez. LOL. Vous êtes mignon, mignon. Donc, avec la feuille comme ça. Ouais, je sais. Je vous fais une petite outro un peu rapide pour ce vlog qui a déjà duré plus de 10 minutes. Dites-moi si la durée vous convient, si c'est trop long ou si ça vous va. J'ai eu des problèmes avec l'enregistrement des vidéos. Il n'y a pas tout qui s'est sauvegardé parce que je passe par l'appli de mon stabilisateur. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. C'est un peu relou parce que du coup, vous avez eu que la chanson et pas du tout l'écriture du spectacle. On va voir qu'est-ce qui s'est gardé exactement pour la deuxième partie. Et puis voilà, j'espère pas avoir ces problèmes par la suite. J'essaye de vous poster la deuxième partie le plus vite possible et je vous embrasse. Toi, tu peux le mettre là. Est-ce qu'il a un nom, celui-là ? Ça s'appelle La Bélière. Quoi ?